Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein de Total War Coliseum. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, donc c'est sur le jeu Stalker, donc Shadow of Chernobyl. Donc c'est un jeu qui date de mars 2007, il fait partie d'une trilogie, c'est le premier donc, de celle-ci. Alors en gros c'est une vidéo un peu sponsoring parce que donc je ne vais pas toucher d'argent pour faire simple. Grosso modo j'ai reçu un mail de Community Manager pour faire une vidéo sur ce jeu, donc j'ai décidé de le faire. Donc en échange j'aurai cette vidéo sur Twitter, voilà. Donc en gros je vais la faire, donc je vous fais une petite vidéo sous un format de 20 minutes. Je n'ai pas l'habitude de jouer à ce type de jeu, donc c'est un shoot, donc un tir à la première personne. C'est aussi un peu un jeu de rôle de ce que j'ai compris, mais c'est surtout un survival. Donc pour vous faire simple, le jeu ça se passe donc en Russie, donc 20 ans après la catastrophe de Tchernobyl, donc 86 plus 20, donc ça fait 2006, et on va incarner un homme. Donc j'ai testé un petit peu et je vais vous lancer la nouvelle partie. Donc je vais y aller en normal, donc Stalker. Je sais pas si je ferai une campagne dessus ou une série dessus, j'ai pas trop d'habitude de ce genre de jeu. Et le chargement est plutôt rapide, ça c'est plutôt. Non, bah bravo. Merci la foudre. Très vivant ce cadavre. Sacré petit vénard. Si t'étais mort, tu serais débarrassé de ces cauchemars. On va voir combien Sidorovitch va me donner pour t'avoir. Bah, visiblement, le gars qui a été ramassé, c'est nous. Qu'est-ce que tu m'apportes ? Un corps. Il est arrivé avec le corbillard. Il porte le tatouage. Oh bah t'as l'habitude, tu le déposes sur le... Ce type-là est vivant. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est des conneries. Je te jure sur ma tête que c'est la vérité. Pose-le là. Eh ben, d'après ce que je peux voir, ce type-là doit valoir... Ah bah... Je suis un stalker, apparemment, le tatouage sur le bras l'indique tellement bien. Alors le tatoué, je te signale que je t'ai sauvé la vie, et j'ai pas fait ça pour me faire mousser, c'est pas du tout mon genre. Alors bon, voilà le marché. Si tu bosses pour moi, on est quitte. Et puis le fait de t'occuper un peu, ce sera un bon remède à ton amnésie, hein? Ça peut pas te faire de mal. Je vais essayer de te trouver des infos concrètes sur ton problème. J'en ai rien à faire, moi, des raisons pour lesquelles tu dois trouver Strelok. C'est pas mes oignons. Tu veux lui faire la peau? Ouais. C'est toi qui vois. Tu dois sûrement avoir tes... Pourquoi tu t'approches pas plus? Allez, viens! Fais ton choix.
Soit je te raconte des bavards comme à tous les nouveaux, soit je te traite comme un vrai stalker et je te donne une mission directement. Donne-moi une mission. J'ai un boulot pour toi, le tatoué. Je veux que tu trouves un stalker appelé Allegro, qui transportait des informations très importantes. Il a disparu quelque part près du pont. Trouve-le, mort ou vif, ça m'est égal. Il me faut absolument la clé USB avec les infos. Va voir le loup dans le camp d'à côté et demande-lui. Il sait sûrement où il peut se cacher. Continue. Ok, je vais essayer. Donc on va essayer de voir si on peut pas marchander. Alors on va fouiller la boîte, on récupère déjà une veste en cuir, donc ça nous fera une petite protection. Donc tac, c'est fait. On va ouvrir les différents casiers, donc F. Ah bah bien. Le tatoué, qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit d'aller chercher Allegro. Marchander. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre pour 40 RU? C'est quoi, des roubles? Je sais pas trop, je connais pas la monnaie, c'est pas grave. Donc une miche de pain. Marchander. Pas mal. C'est de la bonne marchandise que t'as là. Bien joué mon gars. Grâce à toi, j'ai fait une bonne journée. Allez, on se casse. Bon, donc, prends un peu l'air et entre. Donc, on va essayer de trouver celui qui nous était demandé. Donc on a des jumelles. Hop. Donc on a la portée de... On peut voir là-dessus. Donc là, c'est un autre stalker, hein, tiens. On peut parler avec certains personnages, de ce que j'ai cru comprendre. Et il y a un système de réputation dans le jeu. J'avais fait un peu le test. Donc je peux courir aussi. Ah bah tiens, je crois que c'est lui qui m'a ramené. Ouf, je suis pas sûr. Le loup. Salut, qu'est-ce que tu viens faire là? Salut, j'ai besoin de voir Allegro. Tu sais où je pourrais le trouver? Allegro est dans le pétrin. Des bandits ont attaqué son groupe tout près d'ici. Tout ce qu'il a pu faire, c'était envoyer un message de détresse. Ses potes sont certainement morts. Mes hommes m'ont informé que ces enfoirés étaient maintenant vieux parking, celui de l'autre côté de l'arc. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по две бутылки. Tu sors pas tes propres gars du pétrin? C'est pas très sympa ça. Où est-ce que t'as trop peur de le faire? J'ai bien envie de te frapper, mais quel intérêt? Ce n'est pas si simple. Je dispose de trop peu d'hommes et ceux qui m'entourent sont pour la plupart des débutants. Je ne peux pas prendre un tel risque. Si on perd ce camp, la situation se dégradera et pour les stalkers. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, je vais mettre ma fierté de côté. Si ça ne te fait pas peur, je veux bien que tu me donnes un coup de main. Alors, tu m'aideras à régler leur compte à ces voyous ou pas? Tu penses que je pourrais y arriver seul? Non, t'as aucune chance. Mes éclaireurs sont de bons soldats et en ce moment, ils sont juste derrière cette arrêt. Ensemble, vous pouvez y arriver. Qu'est-ce que t'en penses? T'as assez de trip ou pas? Je suis partant. Donc j'ai un pistolet. Alors soyez vigilants. Attaquez s'il le faut. Terminé. Donc on va aller rejoindre la position. Donc la carte radar, vous la voyez, elle est en haut à gauche. Donc j'ai encore 170 mètres à faire. Ça réduit vite. Donc alors ils sont sur une colline, je crois. Lorsque vous aidez d'autres personnages, leur attitude envers vous, votre réputation globale augmente. Ce qui aide, etc. Donc là, on a une camionnette. Je sais pas si on peut la fouiller. Non. Donc, on va rejoindre. Je suis sûr qu'ils vont sortir de la camionnette. Ou ils sont planqués, je ne sais où, dans les buissons, des trucs du genre. Ah bah, voilà notre ami. Ouais, non, il y en a deux, trois. Mets-le en sourdine, ou je te casse la gueule. Petrua. Ok, donc on va appuyer sur le bouton 6 pour ranger notre arme. Salut, le loup m'a parlé de toi. Tu as encore des questions? Oui, combien de bandits occupent le camp? 7 ou 8, 2 à chaque porte, 2 de plus dans le bâtiment à droite, près du feu, et encore 2 dans le bâtiment à gauche, où Allegro est retenu prisonnier. Généralement, il y en a aussi un qui traîne dans la cour. Voilà, c'est tout. On fait une petite prière et on y va? Allons-y. Réveille tes hommes. Les gars, le loup nous a envoyé des renforts pour attaquer. Il est temps de se lancer et d'agir en héros. Alors, comment on fait pour reprendre mon arme? Alors, inventaire. Alors, cul, non. Ah mince alors, comment on fait pour changer son arme?
Parfait, je récupère mon arme. Go, 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 on va rattraper notre retard. Donc, les points orange, vous voyez, c'est nos copains. Donc, je vais me planquer là. Je vais rentrer dans la ville. Voilà. Oh putain. Ah bah, viens, je commence bien la panne de la partie, je me fais exploser. Donc, on va y retourner, on va refaire la sauvegarde. Donc, je vais recommencer au point où je rejoins les hommes du monde. Ok, donc on se retrouve pour la deuxième tentative. On va essayer de faire moi cette première quête parce que c'est le minimum syndical à faire. Donc, je suis mort un petit peu là. Donc, j'ai sauvegardé juste avant, on sait jamais. Donc, je vais me planquer. J'ai repéré quelque chose ou quelqu'un. Oh, ça canarde déjà. J'essaie de la jouer un peu discret. Bon. Wow. Oh, oh. Ils sont vénères déjà. Recharge. Je suis pas un bon tireur, hein. Je vais rentrer là-dedans et me planquer. Bon, ça va, j'ai pas perdu trop de santé. Ouais, je sais même pas viser, hein, quand même. J'ai qu'un pito et pistolet. Charge. Putain, j'ai plus que 3 chargeurs. Ça part vite les balles dans le jeu. Oh, une poubelle, on peut se planquer là-dedans, mais bon. Je vais voir si je l'ai touché. Enfin, je l'ai tué, apparemment, c'est bon. On va le fouiller. On va tout prendre. Oh, je vais pas rester là. Je vais m'équiper de ma nouvelle arme. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Alors. Ah, de la bonne chevrotine. 2 balles par contre. Je vais peut-être aller me planquer dans ce bâtiment. Oh, il y a juste un petit chevrotine, l'enfoiré. Par contre, là, je suis un petit peu dans le caca. J'ai la terre à manger. Donc, en gros, la bouffe, c'est pour se régénérer. Ah, il est là, c'est mieux. Oh, bon, sérieux. On va faire une dernière tentative. Allez, j'ai jamais... Les gars, le loup nous a envoyé des renforts pour attaquer. Il est temps de se lancer et d'agir en héros. Oula, j'ai déjà repéré des cibles. J'ai 3 cibles en visuel, ok. Il y en a un à la fenêtre, là-bas. Donc on va essayer de se jouer discretos. Chut. Donc eux ils vont commencer à canarder, donc on va essayer une dernière tentative. Ça. Je crois que j'en ai eu un, ça y est. J'ai pas pris de dégâts, je suis plutôt content. Donc là on va vite fouiller son corps, on va tout récupérer. Et on se taille. Oh, un fusil, je prends. J'ai tout de suite récupéré ça. Je t'ai dit, je voudrais récupérer la chevrotine, s'il te plaît. Donc, chargé. Ok, on a 8 cartouches. Oh. Ok, il y en a un au pistolet. Putain, il leur faut combien de balles pour clamser? Oula! Oh, lui, il y a rien! Tiens, mange! Oh là! Ah, il y en a encore un là! Ah bah, ma position, elle est guère enviable, j'avoue! What? Ah,
Non, ça va, c'est un copain, j'ai peur. Passons au fusil. Si tu pouvais éviter de me pousser, mais c'est dans le viseur des autres, ça c'est sympa. Ok, j'ai pas un bac. Ok, oust. 2-3. Tu récupères tout. D'où le dernier. Oh bah t'es là toi. Y'en a toi. Au revoir. Ça va, t'as pas trop souffert, petit con. Alors ici y'a rien. Ok, ça c'est un copain au blouson marron. Ah, y'en a encore un. Je vais essayer de le. Ah bah viens. Là j'arrive, t'es déjà mort toi. On va tout ramasser, tout ce qu'on peut, donc ça se tire encore d'où. Ok, ils sont tous morts ici. Attends, là toi, viens là toi. Oh là. Voilà. On les a eu. La troisième était la bonne. Ouais, ta gueule, 2 secondes, j'arrive. Je dois une fière chandelle, je crois. Merci beaucoup. On va discuter un peu. Merci, mon pote. Tu nous as rendu un fier service. Je ne sais même pas comment te remercier. Eh bien, j'ai besoin de la clé USB que tu voulais fourguer au marchand. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ces crétins ne savent même pas faire une fouille au corps. Enfin bref, prends-la. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Elle était bien cachée, ces voyous ne savent pas chercher à fond, donc. C'était Allegro, ok. Objet reçu, clé du USB du stalker captif, se renseigner auprès de l'éclaireur. Merci. Et tu l'avais caché alors? Qui sait, ça pourrait me servir de connaître une bonne planque. T'affole pas, je l'ai pas caché là où tu penses. En travaillant pour le marchand, j'ai eu le temps d'apprendre à mettre des informations en sécurité. J'ai raconté un joli bobard à ces voyous sur une planque remplie d'artefacts. Ils ont envoyé un homme là-bas pour vérifier. La planque existe vraiment. Mais elle ne contient qu'un seul artefact. Je peux te révéler son emplacement si tu veux. T'inquiète pas, merci. Mais fais gaffe à tous les animaux sauvages qui rôdent là-bas et aux bandits qu'ils ont envoyés car il est bien armé. Alors prudence. Merci mec, merci à toi. Donc je vais déjà voir ce que je peux revendre. Attends, j'ai 50 000 pistolets, je sais même pas quoi en faire. Ça coûte combien ça? Rien. Je pourrais avoir de la bouffe mais j'en ai besoin, c'est quoi ça? Vodka fabriqué par GSC descend facilement et réduit considérablement les effets de radiation. À boire avec modération tout de même. Bon bah, ok, donc la vodka peut annuler les effets des radiations dans le jeu. Pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Kit médical, je vais en avoir besoin. Donc je vais aller retourner. J'essaie de trouver l'autre. Donc on va arranger ça. Alors ils sont où les autres cons? Donc on va aller rapporter la clé USB et on va cesser cette vidéo là-dessus. Ah bah moi qui voulais un peu d'action, bah j'étais servi. Putain, je me retrouve avec une chevrotine au calme et un pistolet. Wow. Je vais peut-être sauvegarder parce que j'ai pas envie de me faire bouffer. Voilà. Donc je vais peut-être m'équiper de mon fusil parce que j'ai pas envie d'avoir des amiens. Courez. C'est quoi de ça? Donc on rentre à la maison. Donc je range tout de suite mon fusil. Nous voilà à la maison. Alors. Donc on va aller retourner voir le marchand, lui filer sa clé USB. Alors. Il est là le loup. Ah bah tiens, on a revu le loup. Alors, comment ça se passe? Tes hommes et moi, on est parvenus au parking. C'est génial mec. Tiens, prends ça, c'est ma récompense. Objet obtenu, méduse. A plus. Donc on va descendre, alors c'était là je crois. Ah merde, c'est pas là. Je me suis gouré. Master. Ça doit être là logiquement. Ah non, c'est là. Dans la fameuse mine. On va retrouver l'ami marchand là du début. Ouvre ta porte. Salut le tatoué. Tu t'en es sorti. La situation est plus claire.
Où est la clé USB avec mes infos? La voilà. Alors, objet perdu, clé USB, argent obtenu, 1500. Mission accomplie, se renseigne auprès de l'éclaireur. T'as une mission pour moi où je marchandais un peu avec lui, tiens. Le nombre de pistolets que j'ai, je sais même pas comment faire. Donc on va tout rendre. Donc on va marchander. Allez, vas-y. Pas mal. C'est de la bonne marchandise que t'as là. Alors ça coûte combien ça? 24 000, 9 000, 2 000. Eh ben, le PM là, 4 400. Ah, et en plus, ces objets, ils ont une durée de vie. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. Donc, cadre de pistolet le plus répandu dans la zone, héritage du tirage soviétique, ok. Parfait. Bon, repasse si t'en trouves encore. Donc, je vais vous laisser là. Donc, c'était une petite vidéo sponsoring sur Stalker Shadow of Chernobyl. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum sur Stalker Shadow of Chernobyl. Au revoir les amis, à la prochaine.